J'ai enfin réussi à doubler quelqu'un. Il faut dire que c'était un vieux pépé perclus de rhumatisme. Tiens. Alex, au lieu de t'épuiser, pourquoi tu ne joues pas au golf, comme tous les maris de mes amis? T'as vu la tenue qu'ils sont obligés de porter? Ah, j'ai juste le temps de filer à l'école pour récupérer mes affaires personnelles. Et pense à ton smoking. Heureusement que tu es là, chérie. Ah oui? Oui. Tu as décidé quelque chose pour le prochain trimestre? Oui. Ces cours du soir, en plus de mon travail, c'est trop alors. Je suis allé trouver le doyen et je lui ai dit que j'arrêtais. Oh, je t'adore. C'est très égoïste de ma part, mais j'ai besoin de mon mari en ce moment. Tu crois que je le sais pas? Je regrette qu'avec ces traitements, je sois devenue un peu squelettique. Heureusement, j'ai gardé mes cheveux, c'est déjà ça. Cynthia, n'en parlons plus. Tu t'es battue et t'as gagné. Oui. Oui. Et tu sais quoi? Je ne te trouverais pas laide si tu étais chauve. Tu es très belle. Et quand une femme est belle, elle l'est en toutes circonstances. Oh, c'est gentil et je trouve ça plutôt bien tourné. C'était pas seulement pour être gentil. Je dis ça parce que je la pense vraiment. Vous travaillez tard, professeur. Tiens. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais décidé de faire une petite visite à la galerie d'en face et j'ai vu ta voiture. Comment ça va? Oh, plutôt bien. Au fait, j'ai fini la correction des copies. Alors? Je te félicite. Tu as décroché un A. J'ai toujours pensé que tu devrais enseigner ce cours au lieu d'y assister. Eh bien, j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Je ne crois pas. Le doyen est prêt à te prendre si jamais tu veux la place. Tu nous lâches au dernier trimestre? Oui, oui, ces cours sont bien trop prenants. Alors, il veut m'engager. C'est très flatteur. Bon, désolé, il faut que je me sauve. Tu as quelque chose de prévu ce soir? Il y a une réception en l'honneur du père de Cynthia. Impossible de décommander. Oh. Là, maintenant, je rentre chez moi et ça me ferait plaisir que tu passes. Je viens de finir le tableau. Ton avis m'intéresse. Je peux pas. Ça ne prendra que quelques secondes. Alors maintenant, tu as peur de moi? Non, bien sûr que non. J'aimerais savoir ce que tu en penses, Alex. Je passerai. Un coup de vent, je te préviens. Viens, à tout à l'heure. Si je suis sous la douche quand tu arrives, j'ai mis la clé à la place habituelle. Tu te souviens de la cachette? N'aie pas peur d'être dur. Je veux que tu sois honnête. C'est bon. C'est même très bon. Il ne manque rien? Rien du tout. C'est parfait, si tu veux mon avis. Tant mieux, parce que je t'en fais cadeau. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est pour toi que je l'ai fait. Tu as changé ma vie. Avec toi, j'ai découvert le bonheur. Sheila, non, non. On en a souvent parlé. On ne va pas recommencer. C'était une bêtise. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. C'était pire que ça. C'était moche. Alors pourquoi je me sentais si bien? À moins que ça n'ait été que purement sexuel pour toi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Écoute, comprends-moi, tout le monde disait que j'étais un homme très courageux alors que... Je ne savais plus où j'en étais. Maintenant, je le sais. Je me suis jeté dans tes bras uniquement parce que je croyais perdre ma femme. Mais comment ça, tu croyais perdre ta femme? C'est un miracle. Cynthia est complètement guérie. Un miracle? Ouais. Mais...
Tu la disais mourante, tu étais prêt à refaire ta vie avec moi. Sheila, on se connaît que depuis un mois, comment peux-tu... Et alors, un mois ça suffit pour savoir qu'on s'aime. Tu as voulu prendre du recul, mais moi je n'ai pas... Ne dis pas ça, tu sais parfaitement que ma femme et mes enfants passent avant tout le reste. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup j'aurais... Tu n'aimes que moi, Alex. Je n'ai jamais dit ça. C'est bête à dire, mais on n'aurait jamais dû se lancer dans un truc pareil. Alors, notre histoire, c'était rien. Voilà mes parents. Bonjour David. Bonjour. Te voir. Comment vas-tu? Ah, voilà ma fille préférée. Tu es magnifique. Oh. C'est comme d'habitude. Merci. Et toi, tu es très élégant. J'ai eu bonjour qu'il te force à rester à la maison. Quelle mauvaise langue. Je pensais vous dire de rester ce soir. Toutes mes félicitations, Clayton. Oh, quand tu fais un gros chèque, il déroule le tapis rouge et il te gratifie d'une médaille. Voilà comment ce type fonctionne. Clayton. Jack, comment ça va? Pas trop nerveux. Ça a si peu d'importance. Le menteur. Il a passé toute la nuit à mémoriser son discours pour ne pas avoir apporté ses... Ta mère n'en rate jamais une. Hey, oh, Alex. Oui. Meyer s'est appelé. On a un gros problème. Le contremaître que tu as engagé a un casier judiciaire. C'est un petit cambrioleur minable. Si un client découvre le poteau rose, on est mal barré. Il me semble pourtant que le cabinet Chadwick avait fait les vérifications habituelles. Je me demande ce qui est arrivé. Eh bien, ils ont simplement bâclé leur boulon. Je vais les virer séance tenante. Allez, oublie ça et détends-toi. Je m'en occupe demain matin à la première heure. Oui, je compte sur toi. Bonjour. Bonjour, ma petite Marilyn. Après vous. S'il veut restaurer un tableau de maître, un meuble ancien, ou s'il veut enrichir son patrimoine en devenant l'heureux propriétaire d'une œuvre d'un sculpteur de renom. Mais on ne trouve pas que cela chez Clayton Edmunds. On trouve aussi de la compréhension, de la simplicité, de la générosité. Comme vous le savez, Monsieur Edmunds n'est pas un homme qui fait les choses à moitié. Lors de notre contact, nous lui avons exposé nos objectifs et leur utilité. La réponse fut immédiate. Il sortit son carnet de chèque et dit de combien. Pas de problème. J'ai le plaisir de vous annoncer que la contribution de monsieur et madame Edmunds va nous permettre de prendre la vie. Vous n'ignorez pas. Monsieur Dwight. Évidemment que j'ai menti. On y est obligé quand on traîne un casier, sinon personne vous engage. Je voudrais bien vous garder, mais notre assureur ne va sûrement pas être d'accord. Voilà votre solde et 15 jours d'indemnité. Merci, c'est trop. Rien ne nous obligeait à vous payer. Bon, ça va, je connais le refrain. Inutile de vous fatiguer. Les gars comme vous, ça me fait gerber. Je crois que vous feriez mieux de partir. Marre-toi, mais tôt ou tard, tu vas t'en prendre plein la tête. Dehors. D'accord. Alex, tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Je comprends parfaitement. Je vous le passe. Ça ne te rappelle rien?
l'ai acheté il y a des années à une vente aux enchères. À l'époque, je m'étais dit qu'un jour, ça prendrait de la valeur. Ah oui, 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 je m'en souviens maintenant. C'est une des 6 sérigraphies sur un thème identique. Et depuis quand tu t'es découvert cette passion pour l'art japonais? Depuis que j'ai lu cette brochure qui provient du Hogarth Museum de New York. Ils ont les 5 autres. Et ils sont prêts aux pires folies pour compléter leur collection. Je les ai eu au téléphone tout à l'heure pour leur annoncer la nouvelle. Ils m'ont déjà proposé, tiens-toi bien, 280 000 $. Et c'est tout bénéfice pour moi. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette pièce. Oh, elle est sûrement là quelque part. Je ne vais pas les décevoir, ces petits gars. S'ils démarrent à 280, ils monteront à 350. N'oublions pas que la collection complète sera estimée à plusieurs millions. C'est bien. Clayton, vraiment, tu es doué. Il faut que j'aille à l'entrepôt, maintenant. Ah, ça tombe bien, j'y vais aussi. Clayton, je vais engager Eric. Cette place de contremaître est faite pour lui. Attention, ce poste n'est pas de la rigolade. J'ai besoin de quelqu'un sur qui on puisse compter et qui sache créer une bonne ambiance de travail. Il a beaucoup mûri ces derniers temps. Il n'a même pas daigné venir à ma réception. Tu te rends compte? Tu veux que je te dise? Tu es trop gentil, tu lui as toujours tout passé. Quelquefois, Eric n'est pas facile. Oh, ça nous arrive aussi. Il n'est pas bête et il mérite qu'on lui donne sa chance. Bon, bon, après tout, c'est mon petit-fils. Mais c'est toi qui le supervises. Bien sûr. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'achète cette sérigraphie. Je croyais que tu l'avais achetée seulement pour son côté érotique. Ah, ça a compté. Dès que tu remets la main dessus, préviens-moi. J'espère que tu as faim. Je ne peux pas rester, je suis désolé. Oh, j'ai passé ma journée à cuisiner. Tu as dit que tu voulais me parler. J'ai cru qu'on allait passer la soirée à discuter et trouver un terrain d'entente. J'aurais peut-être dû être plus explicite au téléphone. Plus explicite? Non, non. De quoi parles-tu? Je parle de la sérigraphie. Il faut que je la récupère. Mais tu me l'avais offerte? Non, Sheila, c'était seulement pour quelque temps. Je te l'avais bien précisé. Si elle avait été à moi, je te l'aurais donnée. Mais là, ce n'est pas le cas. Elle est à Clayton et il veut la récupérer. Très équivoque, tout ça. Notre liaison aussi est très équivoque. Tu t'es servi de moi. Sheila, j'ai reconnu que c'était une erreur. Redescends sur Terre et arrête de rêver! De quel rêve tu parles, Alex? Des idées fantaisistes à propos de vivre avec moi, entre autres choses. Des idées fantaisistes? Oui. Et puis, quelles autres choses? Tu vas bientôt dire que je suis dingue, c'est ça? Non. Je dois certainement être folle, puisque je suis tombée amoureuse d'un beau salaud qui prend une maîtresse et qui s'amuse pendant que sa femme est mourante. Quel beau gâchis! J'ai attendu sa mort durant des mois pour me retrouver sans rien. Va-t'en! Sheila. Fils le camp! En arrière. Des cercles bien larges. Détendez-vous.
Attendez, bougez pas. Quelquefois, je suis vraiment maladroite. Alors là, vous m'étonnez. C'est vrai, je vous ai bien regardé au cours et vos gestes sont plutôt bien coordonnés. J'ai fait de la danse. D'après un ami, le yoga est très efficace contre la nervosité, encore plus que le sexe. Ça, ça dépend du partenaire. C'était lui, mon partenaire. Oh. Eh bien, s'il préfère le yoga à vous, il faudrait lui dire d'aller se faire soigner. C'est votre voiture ? Ah. Uh-huh. Vous bossez dans quoi ? Dans les arts graphiques, entre autres. Ah bon ? Ça doit être intéressant. Ça l'est. Vous aimez, là ? J'adore les belles choses. Excusez-moi, c'est nul, c'est vraiment très limite. Je vais pas dire ça. Là, je dois y aller, mais on se verra au cours. Je suis, moi aussi, un peu maladroit quelquefois, mais si vous voulez, on peut peut-être sortir ensemble quelque part. Donne ta main. Appelle-moi. Bonjour, vous êtes branché sur un répondeur, alors vous savez quoi faire ? Ça doit faire plus de 10 fois que je t'appelle, j'en ai assez, j'ai besoin de cette sérigraphie maintenant. Si tu veux, je te la remplace par autre chose. Téléphone-moi au bureau. Fantastique, faites-le entrer. Très bien, allez-y. Regardez-le. Tu as l'air en forme. Merci. Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu ici. Ouais, comme tu dis, un sacré bout de temps. Ça me rappelle des souvenirs. Ça, c'est le jour où on avait tenu le stand des boissons à la kermesse avec David. Je dois dire que j'avais oublié ce détail. Pour moi, il m'avait fait refaire le tarif 5 ou 6 fois parce que mon écriture était soi-disant illisible. Bon, allez, maintenant, on va à l'entrepôt. Je vais te présenter les autres. Dis-moi, j'espère que tu as fait des progrès en écriture. Hein. Bien, voilà les clés de ton bureau et on a tout. Tu es ici chez toi. Bien, tiens, mais c'est mon nouveau chef d'équipe. Heureux de te revoir ici, petit. Merci, grand-père. Alors ? Je commence par quoi ? C'est très simple, par mettre la main sur une sérigraphie. Cet abruti que tu remplaces a détruit une bonne moitié des fichiers le jour où il est parti. Du coup, plus personne ne sait où elle est. Attends, ce serait quand même mieux de le mettre au courant avant de lui mais donner... Mais non, ça peut attendre. Le musée de New York est prêt à mettre une somme fabuleuse là-dedans. S'ils viennent et qu'on n'a rien, ils vont bien rigoler. Tu comprends, Ricky ? Retrouve-moi vite cette sérigraphie et après, il y aura un bon bonus à la clé pour toi. Si tu me prends par les sentiments, ce sera vite réglé. Parfait. C'est par ici. Je vais prendre un verre de bière. Et vous ? Pour moi, ce sera une limonade. Bien, monsieur. Tu joues à boire ou conduire ? Oui, c'est un peu ça, mais... Ça doit sûrement cacher quelque chose. Tu es encore une fois mis dans le mille. J'ai bu à une époque. Beaucoup. Et je suis plutôt de mauvais poil quand je picole. Tout ça pour te dire qu'un soir, j'étais complètement défoncé. J'arrive chez moi et... Bon, je rentre dans ma chambre et je surprends ma copine en train de s'envoyer en l'air. Comment tu as réagi ? Eh ben, j'ai attendu poliment que le type se rhabille. Et ensuite, je lui ai... J'ai tout simplement expliqué ma façon de voir les choses. Il a fait 2 mois d'hôpital. Il l'a cherché, n'est-ce pas ? Les juges voient ça autrement. Merci. Mon père a été obligé de débourser une fortune pour éviter un procès. Et le type, lui, il s'est payé un grand appartement en plein dans le centre. C'est pas belle la vie ? Oui, comme tu dis. Oui.
Après, ton père t'a mené la vie dure, je parie. Il n'en a plus reparlé. C'est pire, tu as une dette envers lui. Finalement, il te tient. C'est un petit malin, ton père. Ouais, t'as peut-être pas tort. Un jour, il faudra que je te les présente. Tu verras, ils sont très sympas. Tu as de la chance, toi, d'avoir une famille. D'être entouré. Moi, mon père a quitté la maison quand j'étais une toute petite fille. Et même si ma mère est ici, ce n'est pas du tout pareil. Elle est hospitalisée depuis des mois. Oh mince. C'est triste, ça. Ouais. En plus, je ne connais personne ici. T'as sûrement plein d'amis au Canada. Bien sûr. Mais il faut se payer le voyage et je n'ai pas de boulot. Je n'ai même pas de permis de travail. Attends une minute, là. T'es en train de me dire que t'es en situation irrégulière? Et si tu veux, c'est très facile d'aller au Canada gratos. On a des charters ici. Tes démêlés avec cette garce ne t'ont pas dégoûté des femmes, ça me fait plaisir. Pas de toi, en tout cas. Demandé n'est plus attribué. Nous regrettons de ne pouvoir faire aboutir votre appel. J'ai lu dans un magazine que les femmes connaissent très mal les goûts de leur mari, comme par exemple leur couleur préférée. J'ai horreur de ces magazines. Au fait, chérie, je devais ramener des papiers, je les ai oubliés. Alors je passe vite fait au bureau. J'en ai pour une petite heure. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert. Alors le magazine avait raison. J'aurais juré que c'était le bleu. Oh, tu es très jolie. Ah, rien d'étonnant. Tout dans le maquillage, mon cher. Ce moment depuis tellement longtemps. Cynthia. Oui. Tu es sûre d'être prête pour ça? On ne peut plus sûr. Ouvre.
Au fait, Rick. Ouais. On croule sous les bibelots ici. Alors si tu as envie de redécorer ton bureau, ne te gêne pas, hein. Ah, ce tableau-là, il est pas mal. Ramène-le donc chez toi, il me rappelle le petit crétin que tu remplaces. L'inspecteur est là, tu viens? Où est ton père? J'en sais rien. Je t'avais pourtant demandé d'être là. Celle-ci m'appartient. Le musée possède toutes les autres. Hmm. C'est marrant, vous avez pas l'air d'un flic. Sûrement parce que je travaille dans l'art. Essayez de parler de peinture avec mes collègues. L'un vous répondra qu'il préfère le papier peint. Alors c'est sûr, elle n'est pas ici. Oh non, on a fouillé tous les cartons à part un. C'est quand même lamentable. J'ai débuté il y a 30 ans avec une boutique dans un quartier pauvre. Jamais je n'ai eu à déplorer le moindre vol. Alex, dis-moi, tu as une tête de déterré? Merci, j'ai très mal dormi. Voici l'inspecteur Wright, mon gendre, Alex Conner. Si vous avez des questions, il est au courant de tout. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous avez des indices? Oh, pas encore. Et ce genre d'affaires n'est jamais facile. Je voulais interroger Dwight Bennett, mais le juge d'application des peines n'a pas de nouvelles. De toute façon, ce gars-là n'a pas le profil. Bon, si vous avez besoin de moi, inspecteur, je suis là. J'attends un coup de fil. Bonne chance. Merci. Votre assureur va passer tout le monde au détecteur de mensonges. On aura peut-être une bonne surprise. Ah. Personne ne dit joyeux Thanksgiving? Joyeux Thanksgiving! Je n'aime pas être filmé, papa, tu devrais le savoir. Mais si, tu adores ça. Clayton, tu devrais te mettre ce chapeau pour aller au bureau. Il aurait du succès. Ah, oui, ah, voilà la maîtresse de maison. Je vous le dirai quand je serai prête pour mon gros plan, monsieur Domil. Et maintenant, débarrassez le plancher. Quelle autorité! Que quelqu'un appelle le SAMU, c'est bien débrouillé au troisième degré. Un petit coup de respiration artificielle. Une, deux. Pas de la faire pour le bouchon. Je vais faire un tour dans le jardin. J'espère que madame Zackler prend un bain de soleil. Tirant ça du feu avant que ça. Oui, Eric. T'inquiète pas, il n'a jamais raté un banquet, surtout s'il y a la dinde. Il est passé prendre sa petite amie. Une petite amie? Parce qu'il a une petite amie? Je ne le savais même pas. C'est bien qu'il recommence à sortir. T'es curieux qu'il t'ait pas mis au courant? Ah, moi, il me l'a dit. Ah, moi aussi. M'en fiche, il ne me dit jamais rien de toute façon. Bon, allons porter tous ces petits plats sur la table, je fais ma sauce et on attaque. Tiens, Alex, filme-moi en train de découper cette vieille carne, puisque tu ne fais rien. À vos ordres. En fait, lequel des deux est la vieille carne? Le petit salut. Et maintenant, je vais prendre tout le monde. Instant mémorable. Dis-moi bonjour, chérie. Salut, chérie. Joyeux Thanksgiving. Il me semble qu'on l'a déjà dit. Ah, oh, regardez qui arrive. Ah, bonjour, Rick. Bonjour, Rick. Comme toujours. Désolé, ça circule très mal. Je vous présente Sheila Hart. Bonjour, Sheila. Voici ma mère. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Ravie de vous connaître. Comment allez-vous? Oh, mais s'il ne fallait pas. Et voilà mon père. Oh, monsieur Conner, c'est un plaisir. Puis-je vous appeler Alex? Alex? Oui, bien sûr, ça va de soi. Bon. Je crève de faim. Allons nous asseoir. Elle est très jolie. Oui, mes enfants ont beaucoup de goût. C'est une très belle chanson. Alex l'adore, il la fredonne souvent. Moi aussi. Votre apple-strudel était délicieux. Oh, merci, monsieur Edmund. C'est une recette de ma mère. Alors, appelez-moi Clayton, trésor. Accroche-toi à cette petite, c'est un canon de première. C'est bien mon intention. Hé hey. Merci, chérie. Merci, grand-mère. Alors, Sheila, d'après Rick, vous seriez une artiste? Je suis graphiste, pour être exact. Elle est super. Et je me suis dit qu'elle pourrait peut-être bosser pour nous. Eh bien, c'est une possibilité. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Bon, nous sommes très satisfaits du travail de Cohen et Newman. Je travaille pour eux très fréquemment. Je suis plus rapide qu'eux et je prends deux fois moins cher. C'est une offre difficile à refuser. Amenez-moi quelques photos de ce que vous faites. Avec joie. J'ai une idée. Pourquoi vous ne me donneriez pas votre adresse? Je vous enverrai un prospectus. Oh, c'est inutile, j'irai le chercher. Je sais où vous êtes, je passerai. Ou bien Rick me l'amènera.
Ce n'est pas un problème, ma secrétaire s'en chargera. Rick, vas-y, note l'adresse de Sheila, s'il te plaît. Donne. Voilà. Va en enfer. Oh, très beau quartier. Allez, je vais boire un verre. Allez, allez, allez! La passe, la passe! Ah, c'est juste derrière. Oui, oui, formidable, formidable. Ah. Casa Connor. Je m'habituerai vite à cette région. Il faut que tu me détestes pour en arriver là. Non, je t'aime. Enfin, je t'aimais. Qu'est-ce que tu veux faire de Rick? Je ne sais pas encore. Il est bavard, il parle de votre famille. C'est la chose la plus importante à tes yeux, non? C'est ce qu'il m'a dit, mais je ne sais plus exactement quand. Ah si, la première fois qu'on a fait l'amour. Je veux que tu laisses ma femme et mon fils en dehors de ça. Je n'ai aucun problème avec ta famille, Alex. Tu n'as peut-être pas de problème avec eux. Mais tu en auras. Ça se passe entre toi et moi. Je ne tiens pas à ce que tu... Vous ratez tout, là. Ils ont marqué. Je t'assure, ils sont en train de les écraser. Ah, en train de les écraser, ça devient vraiment très excitant. Allons-y. Ça va aller. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? C'est le contre-coup. Une année à t'attendre, ce n'est pas le pire d'attendre. Oh, approche. C'est bien ce que tu as. Je suppose que personne n'a vu à quel point ça a été difficile pour toi. Tout le monde était focalisé sur moi. Oui, j'ai craqué. C'est vrai, j'avais tellement... J'avais peur. À chaque minute de la journée. Je voulais tout oublier. C'est ça, je voulais tout oublier. Les médecins t'avaient condamné, alors je... Je me demande ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. Moi aussi, je crois que j'aurais craqué. Tu étais toujours si confiant, si convaincu de ma guérison. C'est grâce à toi si je suis là. C'est une preuve d'amour, tu sais. Oh oui. Je t'aime tellement. Un jour, on repensera à tout ça, on sera vieux et ridé. Et je suis sûre qu'on en rira. Tu sais, du style, c'était le bon vieux temps. Et finalement, avec le temps, tout finit par passer. Tous les malheurs deviennent anodins. Regarde, Rick. Ça a été très dur et en fin de compte, maintenant, ça se passe très bien pour lui. Et j'aime beaucoup Sheila. Oui. Mais ne rêvons pas trop, c'est une fille qu'il ne connaît que depuis quelques jours. Ça ne change rien. Crois-moi, c'est une fille qui a quelque chose. Salut, toi. Salut. Hé, le petit chef. Ouais. On va tous chez Scott ce soir. Il y a une télé grand écran, c'est génial pour les matchs. T'es des nôtres? Non, désolé. Ah, il est malade. Quoi? Je disais que t'étais complètement malade, mais cette gonzesse, c'est pas une corde qu'elle t'a foutue autour du cou, c'est un nœud coulant. Tu es peut-être mazo? Allô? Ah, c'est toi.
J'ai trouvé quelque chose de très intéressant en fouillant dans un tiroir. Tu ne me demandes pas ce que c'est. Si, si. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que je l'avais perdu. Voilà ce qui se passe quand on ne range pas ses affaires. C'est ta recette favorite à base d'aubergine. Bonne nouvelle. Je pourrais peut-être passer par le supermarché pour acheter une bouteille de vin blanc. Ne prends pas n'importe quoi. Non. Une femme comme toi mérite le meilleur. Je t'aime, chérie. Ah oui, bien si tu m'aimes autant, ça veut dire que tu vas rentrer tôt. Oui. Alors à tout à l'heure. Au revoir. Allez, salut les mecs. Salut, salut les potos, salut, à tout à l'heure. Je suis en train de faire la facture de Forsyth et je cherche le bon de commande. Je l'ai mis sur ton bureau? Ah oui, c'est vrai. Je te parie que c'est samedi qu'il l'a déjà classé, avec sa manette tout rangée. Oh, s'il te plaît, laisse ça, sinon je vais plus m'y retrouver. Tu m'excuses, hein, je pensais que t'étais rentré. Tu profites que je sois pas là pour fouiller dans mon bureau, c'est ça? T'en as pas marre de me surveiller tout le temps? Tu te trompes, ce n'était pas de la surveillance. Je démissionne, ça ne me plaît pas de bosser dans ce bureau. Je ne te surveillais pas, alors arrête de te comporter comme un idiot. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On se fait un resto avec Sheila. On va aller chez Canter. Elle aime bien l'ambiance. J'espère que c'est bon. Oui, on y mange bien. Sheila, 12357, Sundance Road. Playboy, ça fait mal, hein? Tchou! Des vacances gratuites. Quelque part dans les tropiques, par exemple.
Surprise. Je suis sans nouvelles depuis des jours. Alors je suis venu. Vous savez que la police vous recherche. Je le sais très bien et je sais aussi pourquoi. Quand j'ai appris qu'il croyait que j'avais taxé ce dessin à la noix, je l'ai eu mauvaise. Encore une injustice. Et c'est ensuite que j'ai pigé. Il y a plusieurs mois de ça, tu m'as demandé de livrer un colis. Tu te souviens? C'était chez une nana. Top niveau, la môme. Hein? Et après, elle a déballé le colis. Quand j'ai vu le genre de dessin que tu lui avais offert... Ouh, je te raconte pas, je savais plus où me mettre. T'as sûrement une bonne raison pour pas dire aux flics que tu sais où se trouve cette peinture. Et moi, je vais te dire laquelle. Alex est payé là. Chut! Qu'est-ce que vous voulez? Devine, Einstein. Combien? Eh ben, pour 5 000 $, je serai temporairement amnésique. Pour 10 000, j'éradique totalement cette livraison de mon cerveau. Écoutez-moi. Le dessin est à Clayton. Je dois le récupérer. Je sais même où il est. Ce n'est pas loin d'ici. Si vous me le ramenez très vite. En retour, vous pouvez gagner 15 000 $. Bah, c'est-à-dire que les effractions, ça coûte cher. Hein. On se fait vite piquer. Et pour moi, depuis des années, je fais tout pour raccrocher les gants. C'est tout ce que j'ai en banque. On va te le faire, ton casse. Je note son adresse. Ça tombe bien, elle va au restaurant ce soir. Et dès que vous l'avez, téléphonez-moi sur mon portable. Le numéro est dessus. Ça sera pas long, tu verras. Oui. Alex? Vite! Hé, hey, oublie pas les fleurs, Playboy. Alex, il y a quelqu'un avec toi? C'était la radio. Oh, c'est pour moi? Oui. Pour qui d'autre? Tu as acheté le vin? Oh, j'ai complètement oublié. Pas grave, ça nous empêchera pas de nous régaler. Allô? Je veux te voir, c'est urgent. Je n'ai rien à te dire. Je sais ce que t'as enduré et je m'en excuse. Ce que tu veux, c'est ta sérigraphie. Le reste ne t'intéresse pas. Garde-la, ta sérigraphie. À partir de maintenant, je veux que tu laisses mon fils tranquille. Il est majeur, non? Je viens. Il faut que je raccroche. Ta progéniture est là. Ce garçon est fou de moi. Bientôt, il sera totalement à ma botte. Salut. Merci. T'as vu? Je me suis rappelé que tu adorais les iris. Oh, quelle mémoire! J'ai intérêt à faire très attention à ce que je dis. Est-ce que ça t'embête si on passe voir ma mère? Pas du tout. T'as été longue à ouvrir. C'était qui au téléphone? Oh, un idiot. Un pauvre type qui s'était trompé de numéro. C'est là? Oui. Doucement, c'est fragile. Pardon. C'est moi, maman. C'est Sheila. Je t'ai amené mon petit copain. Bonjour. Il s'appelle Rick. Je t'ai apporté un nouveau tableau pour remplacer celui-là. Tu l'accroches? Parfait. Ils disent qu'elle ne nous entend pas, mais moi, ça m'étonnerait.
Oh, il pourrait remplir ses carafes de temps en temps. Ils ne sont pas très consciencieux. Et voilà. Allez. Sheila, tu vas boire deux. Je vais vous laisser toutes les deux. Je crois que c'est mieux. Ça m'a fait plaisir de vous connaître. Je t'attends dans le hall, hein. J'arrive. Les choses ne se sont pas passées comme je voulais avec Alex. C'est un sacré menteur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je sais comment lui soutirer de l'argent. Et ensuite, on en profitera pour te mettre dans une autre clinique. Tu seras bien mieux traité. Et après, mon père est parti. Ma mère n'a jamais pu gagner sa vie toute seule, alors elle passait plus de temps à chercher un mari qu'à s'occuper de moi. Je me suis retrouvée dans une famille d'accueil. J'en ai fait une dizaine. Ma mère a déménagé. Et de fil en aiguille, on s'est perdu de vue pendant 15 ans. Et récemment, j'ai appris qu'elle vivait ici avec un type, mais j'ignorais son adresse. Alors j'ai pris un détective qui a retrouvé sa trace. Le lendemain, j'étais ici. Elle était seule et malade. Je n'ai qu'elle dans la vie. C'est pas franchement la joie. Pour toi non plus. Hier encore, tu disais qu'Alex t'avait mené la vie dure. Ouais, il est trop perfectionniste. Très vite, il te prend la tête. Puis c'est compliqué de satisfaire quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. En réalité, il est impossible de ne pas se tromper de temps en temps. La perfection, c'est une vue de l'esprit. C'est très beau, mais personne n'y arrive. Je veux dire, c'est idiot de le mettre sur un piédestal. Pour moi, une chose est sûre, tu es beaucoup mieux que lui. Et moi, je te trouve extraordinaire. C'est la première fois que je ressens ça. Vous, les hommes, vous parlez beaucoup, mais dès que ça devient sérieux, il n'y a plus personne. C'est pas des paroles en l'air, Sheila. On rentre. Viens, on va chez toi. Dommage que tu sois obligé de rentrer si tôt. Faut que je dorme.
Moi, je suis matinale, tous les jours debout à 6 heures. Oh non. Mais je te promets que bientôt, on fera des folies toute la nuit. Tu me promets? Bouge pas. Alors c'est sûr, hein, je m'en vais. Oui, c'est sûr. Je vois bien à tes yeux comment ça va se passer. Je te l'ai dit, il faut que je dorme. On s'appelle demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Calme, dis-moi où se trouve cette saloperie de Lessa. C'est lui qui vous envoie? T'occupe. Alors, tu vas me dire où il est? Il n'est plus ici, je suis pas folle, il est au coffre, à ma banque. Tu mens. Alors tu es moi, seulement personne n'aura le dessin. Combien est-ce qu'il vous paie? Et il est monté à 30 000, pourquoi ça t'intéresse? C'est tout ce qu'il vous donne. Qu'est-ce que vous diriez de 40 000? On peut en discuter. L'inspecteur voulait? Des renseignements, comme d'habitude. Il est à la recherche de Dwight Bennett, mais ça va être difficile de le retrouver, si tu veux mon avis. La chance, ça existe. Ouais, c'est sûr. Ah oui, il a contacté notre assureur, on passe au détecteur. Je sais pas si c'est très efficace. Et c'est prévu pour quand? Début de semaine prochaine. Personnellement, je trouve ça nul. Enfin, si on refuse, grand-père sera pas remboursé. Eh bien, il faut y passer. À tout à l'heure, des déjeuners. Donner des ordres. Allô? Encore toi? La prochaine fois que tu appelles, je porte plainte. Oui, il fallait y penser avant.
Ça va? Oui, un peu énervé, mais ça va aller. C'était qui, là? Oh, laisse tomber. Eh ben quoi, réponds et ne me dis pas encore que c'était un faux numéro. Bonjour, est-ce que Mitchell Sloan est encore là? Quittez pas. Sloan à l'appareil. Mitchell? Alex? Ça va? Oui, ça va dans l'ensemble. Et toi? Bien, ça fait un bail. Je sais très bien que ça fait un bail. Dis donc, ton frère, il est toujours à l'immigration? Ah oui, pourquoi? T'as besoin de lui? Oui, il faudrait que je le rencontre assez rapidement. Oui, mais moi, tu sais tout sur moi. Alors pourquoi tu veux pas me répondre, hein? Qu'est-ce que ça cache? Rien du tout. Arrête de mentir. Je ne veux pas qu'il soit impliqué dans cette histoire. Est-ce que c'est clair? Je suis déjà impliqué. Alors maintenant, tu vas m'expliquer. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Bon, je m'en vais. Je m'en vais avant que ça dégénère. Non, attends. C'était mon ex qui me téléphonait. Ce fou m'appelle 20 fois par jour, il veut me faire craquer. Ces menaces, je m'en fiche pas mal. La prochaine fois, tu lui diras que je lui mets la tête de sa vie, s'il arrête pas. Très bien. Je lui dirai. Inspecteur Tunick, il y a des rumeurs qui circulent à votre sujet, mademoiselle. Ah, je vous présente l'inspecteur Hardy, lui aussi est de l'immigration. On pourrait peut-être parler tranquillement de ça chez vous. Oui. J'ai été dénoncé. Je suis sûr que c'est lui. Il m'en veut à mort. Bon. On va prendre un bon avocat, je suis sûr que papa t'en trouvera un. Non, j'ai déjà un avocat qui connaît la question. Dans un mois, je suis expulsée. Ensuite, ils vont faire pareil avec ma mère. C'est inimaginable. Il faut vraiment être salaud. C'est une femme âgée et malade. Elle a le droit d'être tranquille. Écoute-moi. Rien de tout ça ne va arriver ni à ta mère ni à toi. D'accord? Grand-père possède une propriété à une centaine de kilomètres d'ici. Tu vas y habiter quelque temps. Hein? On y va tous ce week-end. Tu crois qu'il va être d'accord? Oui, c'est sûr. Il m'a parlé de toi. Il t'adore. Allez, viens là. L'assurance va tout faire pour m'arnaquer avec leurs saletés de gros sabots. Je les vois venir de loin. Au fait, tu sais qu'à la fin du mois, on passe tous au détecteur de mensonges. À la fin du mois? C'est très embêtant. Je serai à San Francisco. Je dois voir John Oliver en personne. Ça porte 15 jours. Il va aller droit à la concurrence. T'as raison, on doit d'abord s'occuper de John Oliver. C'est évident. Cette femme est du genre à réveiller un mort. Ah, je vais. Bonjour, Clayton. Salut, Rick. Bienvenue dans ma modeste demeure. Merci. Elle est magnifique. Ah oui, elle est toute une vie de travail. Celle-là. Comment faites-vous pour être aussi belle? Oh, merci, c'est trop gentil à vous. Je rêve ou vous perdez du poids, Alex? C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il va grossir avec les plats que j'ai préparés ce week-end. Vous venez? Vous devez avoir faim? Oui. Rassurez-vous, tout est prêt. Oh! Papa, tu me donnes un coup de main? Donne. Cette maison a été construite par un trafiquant durant la Prohibition. Oui. On raconte que sa femme s'est pendue après avoir découvert qu'il avait une maîtresse. Une ravissante petite Mexicaine. Et qu'est devenu le trafiquant? Elle l'avait descendu avant de se pendre. Oh, très romantique. B-I-O-G-E-N-I-E. Biogénie. Alors, que penses-tu de ça, hein? Oui. 36 points. Oh. Fantastique. Ce jeu est navrant. Et si on faisait une virée à moto demain matin? Bonne idée. Et moi, je peux y aller aussi? Bien sûr. Je viens alors.
Attention, chérie, c'est très physique, et puis je ne sais pas si... Oh, si, 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 Alex. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu l'occasion de me distraire. Quel rabat-joie, celui-là. Faut bien s'amuser de temps en temps. Oui, puis on lui donnera la 125. Bon, si vous voulez jouer les casse-coups, ça vous regarde. Quant à moi, j'en profiterai pour finir mon roman, un roman passionnant. Alors ne comptez pas sur moi pour vous emmener aux urgences. Je resterai avec vous, Mimi. Toi aussi, tu resteras là. T'as juré de passer le week-end avec moi, n'oublie pas. Oui, ben j'aurais mieux fait de me taire. Invalidité. Ça doit bien faire 50 points. C'est un mot qui compte très peu. Bien vu. Très bien vu, même. Quand je veux, je suis assez bonne. Vous êtes belle, vous êtes intelligente. Comment se fait-il qu'une femme comme vous soit toujours célibataire? Clayton, tu as de ces questions. Quoi? C'est toute une histoire. J'ai vécu pendant plusieurs mois avec un homme marié. Je n'en suis pas très fière, d'ailleurs. Mais cette erreur m'a servi de leçon. J'ai été bête. Ne vous reprochez rien. Ce genre d'homme est toujours prêt à profiter de la naïveté des jeunes femmes. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je suis innocent, moi. Et tu as intérêt à le rester. Comment ça s'est terminé? J'ai eu de la chance. Elle l'a plaqué. Et maintenant, je crois bien que je vais l'épouser. Oh, voilà une bonne nouvelle. Je suis heureuse pour toi, chérie. Félicitations. Bravo. Bien joué, mon petit gars. Oh, c'est fabuleux. Mais je commence à fatiguer. Alors je crois que je vais rentrer. Je vais en profiter pour rentrer avec vous. D'accord. Je l'accompagne? Non, amuse-toi, ça va aller. Bon, bah, on se retrouve à la maison. T'es prêt, papa? Vas-y, chérie, tout va très bien. La lanière me sert un peu trop. On ne s'est pas trompé de chemin? Non, en venant, on est passé par là. J'en sais rien, on verra bien. Passez devant, je vous rejoins. Allez-y.
ça va? J'en sais rien. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas dû voir le ravin. Une chance que j'ai été là. C'est comme ça que tu me remercies d'avoir sauvé ta femme. Ne recommence jamais ça, Alex, ou je te tue. Il faut aller te faire soigner. Ah, ça t'arrangerait bien que je devienne folle. T'aimerais bien m'envoyer à l'asile. Mais t'as pas de chance. Je sais ce que je fais. Moi aussi. Tu te sers de Rick pour avoir la nationalité américaine. Je ne suis pas mécontente de ce coup-là. Je vais descendre et je vais leur avouer la vérité. Très noble et surtout très courageux. Ils seront sûrement ravis de savoir que toi, tranquillement, tu couchais avec moi alors qu'au même moment, Cynthia était ravagée par sa maladie. Tu leur diras que tu as volé la sérigraphie par la même occasion, d'accord? Et que tu as menti à la police. Je te parie que ton cas sera vite réglé. Et tu te retrouveras à la rue. Tu perdras tout. Ta famille, ta femme et ton fils. Pauvre Alex. Tu sais que tu as de bonnes idées. Bon. Conserve la sérigraphie, elle vaut une petite fortune. En contrepartie, tu quittes Rick. C'est stupide de me demander ça. Tu ne peux m'obliger ni à rendre la sérigraphie, ni à quitter Rick. Et maintenant, laisse-moi. Mon bain va refroidir. Ah, papa, Dwight est un idiot. Je suis arrivé à récupérer une bonne partie des fichiers qu'il avait effacés. Et j'ai trouvé ça. Ça remonte à février. C'est la preuve que Dwight Bennett a livré la sérigraphie à une personne qui habite Mesa Avenue. Il faut absolument qu'on sache qui c'est. Excellente idée. Je vais faire la recherche. Et moi, j'appelle l'inspecteur. Non, je le ferai. Il faut que j'y aille. J'aurais dû expédier ces cadeaux au Canada depuis très longtemps. Ah, je m'en occupe. Je passe devant une poste en allant chez moi. Faut pas traîner, c'est bientôt la fermeture des bureaux. Ah, est-ce que tu pourrais emballer ça pour moi? Bien sûr. Je dois passer un coup de fil. Au quatrième top, il sera exactement 17h, 10 minutes, 20 secondes. Il y a un couteau juste devant toi. 30 secondes. Au quatrième top, il sera. J'espère que tu as aussi un cadeau pour moi. 17h. Oui, si tu es bien sage. 50 secondes. J'ai une dette envers toi. Tu rigoles, c'est rien. Tu me rembourseras ce soir. C'est promis. Il
C'est moi. J'ai reçu le message. Où est mon pognon? Je ne l'ai pas. Ah, elle l'a pas. J'espère que tu plaisantes. C'est pas très dur de doubler un mec comme Alex, parce que lui, c'est un nulard. Il a même pas été capable de te mettre la rouste que tu méritais. Son crétin de fils, c'est qu'un gamin qui voit pas plus loin que le bout de son nez. Il faudrait éviter de me confondre avec ces deux rigolos. Sinon, tu risques d'avoir un réveil douloureux. Déjà, je sors pas d'ici tant que tu m'as pas donné mon fric, ou à la limite, le dessin. Alors, je vous donne le dessin. Il ne m'a apporté que des problèmes. Oh, la pauvre petite puce. C'est vrai qu'on lui a fait des misères. Elle doit avoir envie d'être consolée. J'ai pas de bol avec toi, hein? Allez, où est-ce qu'il est? Je l'ai planqué derrière la commode. Si je comprends bien, c'est là qu'il était l'autre fois. C'est fou ce que vous comprenez bien. Allez. Au lieu de me mater, vous feriez mieux de m'aider. Là-dedans, des briques. Non, surtout pas, vous allez vous accrocher. Je vais me débrouiller. Tu vas te débrouiller? Enfin, tu sais pas comment il va réagir. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Sheila, sors avant qu'il se pointe. Il est dangereux, tu me l'as dit toi-même. Laisse tomber, je te dis que je vais me débrouiller. Très bien, alors j'arrive tout de suite. Rick, je raccroche. On frappe à ma porte. Sheila! Bonjour, vous êtes branché sur un répondeur. Alors, vous savez quoi faire? Sheila, réponds. Réponds-moi, Sheila, est-ce que c'est lui? S'il te touche, je le tue! S'il te plaît, réponds! Bon, j'arrive tout de suite. Police, j'écoute. Il a pris un couteau. Ils sont en train de se battre, ils vont s'entretuer. J'habite au 12357 Sundance Road, appartement 2. Deux? Oui.
Ah, bonjour. On a de la chance que vous soyez chez vous. Ah oui, inspecteur Marcelino. Ça vous embête si... Non, entrez. Merci. De toute façon, le labo va sûrement nous en apprendre plus tout à l'heure. Mais bon, on sait déjà quelques petites choses. D'abord, que Dwight Bennett a été poignardé chez Mademoiselle Hart. Ensuite, que votre fils a été repéré sur les lieux. Il y a aussi les photos de la fameuse sérigraphie. On les a retrouvées sur le corps de Bennett. Donc, les deux affaires sont liées. Et puis, il y a le message sur le répondeur où votre fils menace de tuer quelqu'un. Forcément, Bennett. Mademoiselle Hart nous en dira sûrement plus quand elle la retrouvera. Vous savez où est votre fils ? Non. Écoutez, il a été manipulé. Ce n'est pas un assassin. Admettons qu'il ait été. Par qui et pour quel motif ? Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Et cette histoire de coups et blessures ? Personne n'est infaillible. Bien sûr, mais les circonstances sont plutôt similaires. Non. Non. Parce que cette fois-ci, quelqu'un lui aurait fait endosser le meurtre. C'est ça ? Bon, désolé pour le dérangement, monsieur Connor. Monsieur. Si par hasard votre fils vous contacte, il vaudrait mieux qu'il vienne nous voir. Il y a une inculpation de complicité à la clé, pensez-y. Chérie, tu étais avec qui ? Il faut qu'on parle. Une aventure avec Sheila, vraiment. Mais tu aurais dû alerter Rick tout de suite. Enfin, comment as-tu pu le laisser faire ? J'avais peur qu'il te raconte tout. Si tu avais été fidèle, on n'en serait pas là. J'ai été infidèle parce que je pensais te perdre, c'est tout. Oh. Je te demande pardon, Cynthia. Il faut que tu me pardonnes. T'es la seule femme que j'ai jamais aimée, je peux te le jurer. Alex, tu as tout détruit. Écoute-moi. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Tellement longtemps qu'on s'aime. Donne-moi une autre chance. Allô ? Papa ? Rick ? Où es-tu ? Je suis allé me planquer à l'entrepôt. Surtout reste-y, je te rejoins. Je serai là dans une vingtaine de minutes. Bon, je t'attends. Je fais au plus vite. Je vais y aller avec toi. Non. Non. Il faut que je m'explique avec lui. Tu es Steve. Je le sais. Cet homme qui était dans son appartement, c'était Dwight Bennett. Mais alors, elle était sa maîtresse, c'est ça ? Non. C'était pas sa maîtresse. C'était la mienne. Espèce de bruit.
Je voulais te le dire. J'étais coincé. Où est-ce qu'elle est, Sheila? Je suis sûr que tu sais où elle est. J'en sais absolument rien. Je veux surtout pas le savoir. Retrouve la sérigraphie et tu retrouveras Sheila. Pourquoi tu dis ça? C'est elle qui l'a toujours eue. Je me tenais grâce à ça. Et elle s'en est prise à toi ensuite. Tu mens! Pour se venger de moi! Tu mens! Elle a tué Dwight, ça ne te suffit pas? Oh non. Elle ne me ferait pas ça. C'est pas vrai! C'est pas vrai? Alors pourquoi elle n'a pas dit à ce flic que ce n'était pas toi? Non. J'ai honte pour toi. Cette fille m'a complètement embobiné. Ne te fais pas voir à ton tour. Attends, il faut que tu te rendes. Non, tu n'as plus d'ordre à me donner. Rick, Rick. Maman, je vais rentrer chez nous. Au Canada. Je ne pourrai pas revenir. Je suis désolée, je ne peux pas t'emmener. Mais bientôt, j'aurai de l'argent. Et là, je m'occuperai bien de toi. Je t'enverrai plein de sous. D'accord ? Je t'aime. Que tu cherches? Tu m'as fait peur. Alors, tu l'as trouvé? Oui, je savais que tu viendrais ici. Je suis allé dans la chambre de ta mère et puis j'ai vu le tableau. J'ai compris l'astuce. Bon, d'accord. Est-ce que tu sais? Oui, je le sais, je sais tout. Rick, je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce que je ne savais pas avant de te connaître, c'est que j'allais tomber amoureuse de toi. Tu parles bien. J'étais sûre que tu ne me croirais pas, c'est pour ça que je pars. Dis-moi ce qu'il t'a raconté. Tout. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, papa arrive à la rescousse. C'est très touchant. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. C'est toi qui as tué Dwight. Tôt ou tard, la police te tombera dessus. C'est faux. C'est complètement faux. Il sait que je t'aime et ça le rend fou de rage. Si je te quittais, il serait prêt à divorcer de ta mère, mais il n'a pas dû te le dire, ça. Ne l'écoute pas. Pourquoi faudrait que je te croie, toi? Désolée. J'adore les réunions de famille, mais là, je n'ai pas le temps. Donne-la-moi, Rick. Cette sérigraphie m'appartient. Fais ce qu'elle te dit. Je suis sûr qu'elle ne tirera pas. Elle est prête à tout. Rick, cette fois, c'est ton père qui a raison. Alors écoute-le. Non. Papa! C'est ta faute, Alex. J'étais amoureuse de toi et tu t'es fichu de moi. Ah!
voulez boire quelque chose? Oui, je voudrais une vodka, double, s'il vous plaît. Je vous la porte. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre compagnie. Nous allons décoller dans quelques instants. Nous vous prions de vous asseoir et de boucler votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Non! Le salaud! Ça va, mademoiselle? Non, ça va absolument veuillez pas! Veuillez rester assise, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, suite à un incident technique, nous sommes dans l'obligation de retarder le décollage de quelques minutes. De m'arrêter. Je suis innocente, vous entendez? Dis-lui que j'ai rien fait, s'il te plaît. Je vais me retrouver en prison. Espèce d'ordure! J'aurais dû descendre! Ils vous ont menti! Vous voyez pas qu'ils sont de mèche tous les deux? Vous allez nous suivre au commissariat, on va prendre votre déposition. Viens avec toi. Elle aurait pu te tuer. Tu sais que tu as beaucoup de chance. Oui, je sais.